Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Philippe-Antoine Brouillard, directeur général du groupe Vestia. Vestia, c'est une entreprise de 28 ans d'expérience, basée à Montpellier, travaillant sur l'ensemble de la chaîne de l'acte de bâtir, de la construction à l'exploitation. Portée par trois valeurs, l'engagement, la créativité et l'innovation. En tant qu'acteur du logement, conscient de nos responsabilités, nous nous sommes engagés dans la transition écologique et sociétale en nous fixant des objectifs ambitieux. Nous avons ainsi travaillé sur une nouvelle approche de notre métier, un métier en pleine révolution. Que ce soit de son rapport à la construction ou avec celui de sa relation avec les futurs usagers de nos bâtiments. Une approche qui se doit d'être plus environnementale et plus sociétale. Le bâtiment, représentant 43% des consommations énergétiques françaises et 23% des émissions de gaz à effet de serre, il nous est apparu évident de travailler sur la construction de nos bâtiments. De maître d'ouvrage, nous devenons industriels en créant, il y a plus d'un an maintenant, WBI, une filiale dédiée à la construction 100% bois de logements et de bureaux directement fabriqués dans notre usine, puis assemblés sur le site du projet. Un mode constructif qui permet d'émettre trois fois moins de carbone, d'être deux fois plus rapide et de produire moins de déchets et de nuisances. Ce sont aussi des logements économes en énergie, équipés de panneaux solaires sur lesquels nous poussons des solutions vertueuses telles que la récupération d'eau de pluie et le recyclage d'eau grise. Notre engagement est aussi un engagement sociétal, avec des logements pouvant s'adresser à tous, du senior à l'étudiant, du co-living à l'hébergement d'urgence en passant par le logement social. Cette ambition que nous portons est une véritable transformation de notre métier, dans laquelle nous impliquons l'ensemble de nos collaborateurs par des formations sur la biodiversité avec la guide de protection des oiseaux, la culture, en installant une œuvre d'art dans chacune de nos résidences pour faire accéder l'art au plus grand nombre, et la santé, en exploitant des centres médicaux et paramédicaux. À travers l'ITA, nous souhaitons poursuivre ce développement et accélérer notre transformation en entreprise à impact sur l'environnement et l'usage, pour bâtir une ville et une vie meilleure. C'est pour ça que nous avons fait appel à l'ITA, parce que pour nous, cet engagement a du sens. Merci pour votre soutien et à bientôt.